coup, ouverture de ce nouveau vlog, c'est la suite de celui que j'ai terminé, c'est-à-dire que nous sommes toujours lundi. Je suis arrivée à Orléans et j'ai plus de batterie. Ah, purée, est-ce que j'en ai pris une autre? C'est bon, j'avais une batterie de rechange dans mon sac. Je vous ai pas dit où j'allais. Je suis pas obligée de tout vous dire non plus, hein. Je pense que je vous reprends après. Bon, je suis sortie de mon rendez-vous. En fait, c'était un rendez-vous médical. Je pense que je vais vous en parler parce que ça pourra peut-être aider certains d'entre vous. J'ai testé quelque chose. Je vous en parlerai à la maison parce que là, je suis chez Feuillette. J'adore m'arrêter à Feuillette quand je suis à Orléans. Je vais prendre des petits trucs pour ce soir à manger. J'ai transpiré tellement j'ai eu peur. J'ai hâte de rentrer et de me doucher. Mais vraiment quoi, de l'eau, de stress. J'ai très envie de me trouver genre une petite salade pour ce soir. Peut-être qu'il est un peu tôt, il doit être quoi, 5h30, un truc comme ça. Bon, j'ai trouvé des petites choses, mais il n'y avait pas de salade. Enfin, il y en avait, mais ça ne me plaisait pas plus que ça. Je viens de rentrer. Écoutez le cinéma du gars. Bilou ? Bébé ? T'es là ? Dans sa tête. Ouh là là, ça pousse. J'imagine bien que vous voulez voir ce que j'ai. Bon, attends, allez, vous savez quoi ? Je me mets à l'aise déjà. Je fais un câlin biou, j'enlève ça. Me voilà un petit peu plus tranquille. J'ai eu chaud, je vous l'ai dit. Hein. Mais j'ai eu chaud, je me sens en vracos. Sur la route, j'ai eu chaud. Enfin, j'ai eu chaud. Je commence déjà par vous montrer ça, parce que je vais être au frais. Bon. J'ai fait une petite tradie. Je l'ai demandé pas trop cuite, parce que moi, le matin, j'aime bien la refaire chauffer pour qu'elle croustille. J'avais prévu, j'avais emmené ça tout froid. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah, ça, c'est... je passerai lui donner demain. Pour ma maman, je sais qu'elle adore ça, les petites tartes aux pommes de chez Feuillette. Voilà, la petite tarte aux pommes. J'ai pris des trucs que vraiment j'ai pas l'habitude de prendre. Hein. Ça, c'est pour Eric. Regardez la merveille, un fondant au Nutella. Est-ce bien raisonnable? Pas trop. Alors, il y avait 3 achetés, le 4e offert. Des petits cannelés, voilà. Ça, je n'ai pas l'habitude d'acheter. Mais vous savez, des fois, quand on va au resto, il y a des cafés gourmands. J'adore ça. Et des fois, il y a le petit cannelé. À chaque fois, je me régale. Donc, il n'y a pas de raison. Il y en a 4. Et bon, bah voilà. Ça sera petit sandwich. Ça, c'est pour qui? Ça, c'est pour Eric. C'est... un chaud, je sais pas quoi, là, tu as un petit steak, mais ça faut le faire chauffer. Et le mien, c'est pesto mozzarella. Voilà. Pesto mozzarella tomate. Par contre, les tomates, je les enlèverai. Est-ce que je me prends un petit cannelé, là? Je vais me goûter un petit cannelé vite fait. Oh mmh. Mmh. La texture, elle est ouf. Mmh. C'est croustillant, c'est onctueux à l'intérieur. Fleur d'oranger ou du rhum? Rhum. Une merveille, alors je regrette pas du tout, mais vraiment excellent. C'est le meilleur cannelé que j'ai mangé de toute mon existence, mais vraiment. Et en plus, quand j'allais dans le sud-ouest beaucoup, ce qui est un petit peu la spécialité, bah c'était pas aussi bon en fait. Bon, je vois que le luminaire est toujours là, je vais pas lui prendre la tête. Il est dans son bureau, on verra ça demain et puis voilà. Non, par contre, c'est pas pour toi le cannelé. Il en reste 3 et crois-moi que ta mère va les manger. Donc, après mûre réflexion, ça faisait un petit moment que j'avais entendu parler de ça. Mes migraines, vous savez que je souffre de migraines, j'ai pas forcément envie de prendre les traitements parce que les triptans, ça me réussit pas. Donc, j'ai voulu tester la fameuse méthode. Donc, j'ai été voir un médecin esthétique, arrête, pour tester des injections... temporale en fait, pour venir paralyser le muscle. Souvent une migraine, elle part souvent de là. Et là en fait, pour bloquer aussi tout ce qui est mâchoire. Donc j'appréhendais un peu hein, parce que c'est pas non plus anodin. Donc en allant m'en parler avant, ça se fait pas comme ça. Et j'ai dit allez, on y va. En plus, il m'a vraiment convaincue en m'expliquant des anecdotes sur d'autres patients à qui ça a vraiment sauvé la vie. On verra parce qu'il faut voir aussi, il en a peut-être pas mis beaucoup au début, il m'a dit. On va voir comment moi je réagis. Arrête. Ça fera effet dans 3 semaines. Alors ça fait, c'est particulier. Il ne faut pas être phobique des piqûres. C'est clair. Et puis en plus là, c'est une zone un peu particulière parce que tu sens que ça rentre dans ton crâne. Quand ça fait comme ça, tu vois.
ça vient percer en fait la première membrane du crâne. Donc il m'en a fait 1, 2, 3, 4, 5 je crois dans toute cette zone, puisque c'est plutôt, je lui ai dit en plus que c'est souvent à gauche que j'ai la migraine. Il m'en a fait un petit peu moins là, mais il m'en a fait aussi. Il m'en a fait dans les masséters, donc masséters c'est là parce que parfois tu peux grincer des dents la nuit, ça peut aussi être source d'eux. Et là, tu peux le faire également là, mais là il me l'a pas fait. Et bah, il n'y aura plus qu'à attendre en fait. Je vous en parlerai évidemment. Mais avant que ça n'arrive, non, je n'ai jamais fait de chirurgie esthétique ou quoi, même si c'est un chirurgien esthétique, c'est vraiment... j'ai été voir vraiment un pro de chez pro. Je me contente de faire ça de façon médicale. C'est vraiment parce que j'ai l'impression d'avoir tenté pas mal de choses et que je suis arrivée à un stade où ça me pourrit la vie, où ça joue sur mon moral, sur plein de choses. Donc allons-y quoi. Après, la fréquence, peut-être faudra que je le fasse tous les 6 mois, peut-être 3 mois, ça a un coût, c'est sûr. Mais je suis prête à le payer ça peut faire, si c'est efficace. C'est bon, t'as fini de tourner, de rôder. De toute façon, il n'y a plus rien. J'ai tout vidé, mon Jackie. Sauf ça. Bonjour, bonjour. Il est midi. Et bah, nous sommes le lendemain. Je me suis levée tard. Je suis levée à 9h30 parce que j'ai très mal dormi. Je pense que c'est les suites. Hein. C'est les suites des injections dans le crâne et tout. Alors j'avais mal à la tête, j'ai eu mal à la tête toute la nuit, surtout à 4h du matin, comme si on me tapait dessus. Pas du tout une migraine, c'était des céphalées. Ou alors comme vous savez, quand vous subissez une opération chez le dentiste, on vous arrache une dent, après vous avez mal, enfin voilà, vous avez mal dans tout le crâne, comme si on vous avait bouché les os du crâne. Bah, j'étais là-dessus et je suis toujours là-dessus. Mais vraiment ça va, c'est supportable, mais j'ai pas dormi quoi. C'est-à-dire que je me suis réveillée à 4h, en plus j'avais mal là, peut-être que c'est une douleur projetée. Du coup j'ai pas dormi, j'ai regardé des vidéos, jusqu'à 6 du mat, et à 6h je me suis endormie, c'est pour ça que je suis là à 9h30, mais bon. J'ai reçu ce matin, je vous attendais, j'ai juste coupé, 2 colis. Peut-être que l'un d'eux, c'est le fameux traitement pour la migraine, décidément. Alors, c'est ça. Oh non, c'est ridicule. Le fameux masque. Et bah pour le coup, même si j'ai une migraine, je le testerai peut-être pas tout de suite. J'attends. Je sais plus si je vous ai dit, mais moi, il m'a dit qu'il faut quand même attendre 3 semaines pour voir un net mieux. Et encore une fois, il m'a dit, enfin, si ça fonctionne, ça veut pas dire que les migraines vont définitivement disparaître. Non, c'est qu'il va y avoir, je pense, sur la fréquence et sur l'intensité. C'est-à-dire que peut-être ça va les diminuer de 50%. Peut-être plus, je sais pas. Mais en tout cas, ça sera quand même normalement un net mieux. Et donc ça, là, le fameux masque, moi, je l'ai pris en noir. Tu peux l'utiliser chaud ou froid, donc c'est pas mal. Attends, on dirait un shorty, machin. T'as la petite encoche ici pour ton nez. Voilà, de toute façon, je vais tout lire. Hein. Enfin, je vais tout lire, en même temps, il n'y a rien. Ah ouais, d'accord, c'est ça, et puis tu te démerdes, quoi. Donc, on te montre les différentes façons de le porter. Mais là, cervical, ça, c'est pour le côté chaud, je pense. Ça peut être pas mal. Tu peux le mettre juste comme ça, là et là. Ok. Je vous en parlerai quand j'aurai l'occasion. Deuxième paquet, j'ai juste, pareil, ouvert comme ça. Ah, c'est pas pour moi. C'est pour le gars Eric. Ah, regardez ce qu'il s'est pris. Je savais même pas. Une anse pour sa nouvelle guitare Gretsch. Elle est belle. Écoute, je pense qu'il va être content de l'avoir. Je me suis préparé ma petite assiette pour ce midi. Purée de carottes, escalope de dinde. J'ai mis de la coriandre. Et puis, je me prendrai ça avec. Voilà, Eric. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour accrocher ma guitare. Bah, je m'en doute, bébé. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est demain que ça arrive. Tu me diras pas ce que c'est. C'est lié encore à ma guitare. Ok. Bon, Eric est venu me chercher. Il doit être 18h15. Et je suis bien contente. J'en avais marre de l'ordi. On est où? Ça sent le luminaire. Un support de luminaire, c'est ça? Ouais. Il faut que ce soit esthétique. Là, je te vois partir sur des trucs très moches. Non, mais c'est pour comprendre ce que c'était. Mais on en a déjà eu une applique comme ça. Ce que je voudrais, c'est un truc qui ressemble à ça. Il me dit qu'il n'y a pas. Finalement, il a pris ça. Non, ça veut dire qu'il n'utilisera pas celui qu'on a initialement, qui était beau quand même. Et c'est même pas sûr que ça fonctionne. Il y aura peut-être mon lustre. C'est quand même très très beau. Voilà, c'est la collection été, mais j'adore cette marque. Bon, on regardera ça. Et sinon, de toute façon, pour le lustre, il est déjà 19h, je vais faire à manger. Je pense qu'il verra ça demain, vu qu'on est mercredi. Voilà, mon petit repas du soir. Enfin, notre. J'ai fait la même chose pour Eric, évidemment. Nous sommes le lendemain. Il est midi. Je viens de me laver les cheveux. C'est vrai que cette coupe, quand même, ça fait beaucoup... Enfin, ça fait quand même beaucoup plus net. Et je me suis rendu compte en regardant
mes rendez-vous en fait du mois. J'avais anticipé il y a 2 mois et demi, j'avais pris rendez-vous pour faire mes mèches, donc je vais en faire beaucoup, des petites, et je vais peut-être faire un voile pour que ça fasse un petit peu plus uniforme. Voilà, mais je crois que j'y vais dans 2 semaines. Comme je vous disais, nous sommes mercredi et du coup, bah Eric il n'a pas cours. Le lustre sera peut-être installé tout à l'heure. On ne sait pas. J'ai reçu un colis. Le problème c'est qu'il y a marqué box le boudoir. Non, il y a marqué le boudoir box même. Donc je crois que c'est une marque qui doit m'envoyer un article pour test. C'est peu probable que je puisse vous montrer. Je vous reprends, il y a une petite ellipse de 2 heures. Plus de batterie sur ma caméra, c'est inquiétant parce qu'en plus j'avais rechargé ma batterie. Donc elle n'est pas censée faire ça et la deuxième ne veut pas se charger. Ma caméra a 3 ans, commence à montrer des signes de faiblesse, ça serait bien qu'elle tienne un tout petit peu. Et je voulais également en profiter parce qu'à la base cette vidéo c'est quand même pour ce fameux protocole médical de toxine botulique. Pour vous dire, bon là je sais pas, j'ai bien dormi hein, par contre, je peux pas dire qu'il y a des résultats pour l'instant. Par contre, au niveau des massétaires, donc de la mâchoire, le but c'est vraiment de détendre cette zone, que je ne sois pas comme ça, vous voyez, en train de serrer les mâchoires en permanence, qui peut provoquer également des migraines, et je sens que là ça commence. C'est-à-dire que j'ai un petit peu plus de mal à serrer. Habituellement quand je serrais, on voyait là, ça ressortait, là ça ressort pas. Je sais pas ce que ça va donner dans 3 semaines du coup, quand ça sera optimal. Donc voilà pour le petit update. Entre temps on a mangé, parce qu'il est 14h, Eric est monté, comme je vous disais c'est mercredi. Je l'embête pas avec ça, je vais même pas redemander si c'est pas aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui. Je préfère qu'il me le fasse j'allais dire en prenant du plaisir, non, mais de bon cœur. Donc si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain, et puis c'est tout. Allez vous voir, je me suis fait une petite bougie, je la laisse pas longtemps, je la laisse 20 minutes, une demi-heure. Je suis en train de me dire si c'est pas en train de... Bah non, ça craint pas pourtant. Truc métallique, elles sont tellement bonnes celles-là. Fleur d'oranger, c'était quoi comme marque déjà? Lumios. C'est hyper subtil. J'adore. Et pendant que je l'ai sous les yeux, il va beaucoup mieux. Je crois pas que c'était les croquettes, même si je sais que quand on change de croquette, il faut y aller progressivement. Ah, qui c'est qui a frappé? Il est presque 4h. J'ai ma maman qui est passée. Et voilà, je suis en montage. Attends, parce que en fait, il me serre et je suis pas certaine que ce soit bien. Ça m'appuie là pendant quelques jours et peut-être que je limite. Et c'est vrai que j'aime bien faire le montage au casque, c'est quand même plus précis. Ouais, donc je vous disais que... Qu'est-ce que je vous disais d'ailleurs? Que je suis passée dans le bureau d'Eric. Il est allongé, ça doit faire 1 heure, il se repose. Donc ça sera pas pour aujourd'hui. C'est pas grave. Ouais, moi je vais arrêter également ce petit vlog parce que j'ai tout le montage à terminer. Et puis normalement, je suis contente parce que là j'ai l'impression que je tiens le rythme. Ouais, normalement on se retrouve vendredi. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Si j'en ai parlé, je pense que ça peut aider. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui souffrent également de migraines, qui ont essayé beaucoup de choses. Donc si ça fonctionne, d'ici quelques semaines, ça peut être une bonne alternative. Voilà, c'est pour ça que je pensais que ça pouvait être intéressant. En tout cas, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à vendredi.